Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui démarre sur mon balcon. Pourquoi sur mon balcon? Eh bien parce qu'on a une vue imprenable sur l'endroit où je vais passer la nuit, qui n'est autre que le Mont Verrier. On peut voir, apercevoir les falaises juste ici. Et ouais, vous avez pu le voir dans le titre ou dans la miniature, je vais passer une nuit en Portal Edge. C'est un truc que je rêvais de faire depuis un bon moment. Heureusement, grâce à mes proches qui m'ont offert ça pour mon anniversaire, je vais pouvoir réaliser ce rêve. Un grand, grand merci à vous, vous vous reconnaîtrez, je pense. Donc la première étape, c'est d'aller rejoindre notre guide au col des contrebandiers et ça part pour la night au Mont Verrier. Let's go! Bon, ok, me voilà arrivé au parking du col des contrebandiers. Je vais donc attendre pour retrouver mon guide. Et mes deux acolytes, parce qu'a priori on est trois à partir sur le bivouac. Là je vois deux personnes, donc j'imagine que c'est peut-être eux. On va récupérer le matos et après je crois qu'on part sur une marche d'approche de 30 ou 40 minutes. Après avoir fait connaissance avec Marco, notre guide pour la sortie, qui nous confie tout le matériel pour le bivouac, à savoir les Portal Edge et de quoi manger pour le soir et le lendemain matin, on commence la marche d'approche pour arriver sur le spot qui va durer une petite trentaine de minutes avec une vue imprenable sur le lac au soleil couchant. Et ensuite, il va être temps pour nous de nous équiper de nos casques, baudriers, longes, etc. pour pouvoir attaquer la première descente en rappel pour arriver sur le spot. Eh ben vas-y, je vais te laisser aller en arrière, tranquillou. Un peu de mou que tu puisses te mettre en position et après tu pourras te décaler un petit peu sur la droite. Là tu vas aller un peu à droite. Ok. Après cette descente en rappel d'une vingtaine de mètres, on va arriver sur une vire avec pas mal d'espace, ce qui va nous permettre de pouvoir monter nos Portal Edge, donc ces structures en alu et étoiles, qui vont être nos lits pour la nuit. Nous, on va s'occuper du montage et ensuite notre guide, lui, va s'occuper de les installer sur la paroi avant qu'on puisse embarquer dessus. Ok, et je peux venir monter juste à côté de moi. Oui. Parfait, tu t'assois dans ton baudrier en mode rappel. Voilà. Tu peux enlever celui-là. Et puis là, regarde. Avec ce tranquille, un peu de pied à plat. Et tu vois, j'ai des pompes. Le but, là, c'est vraiment une taille au milieu du portail. Et ça y est, me voilà confortablement installé à même la paroi. Alors confortablement, faut relativiser quand même, hein, le Portal Edge, genre une place comme le mien, il devait faire quelque chose comme 2 mètres carrés grand maximum. Mais voilà, on aménage l'espace avec notre petit réchaud, le duvet, le tapis de sol, et on n'a plus qu'à profiter d'une magnifique vue au-dessus du lac d'Annecy, avec un magnifique coucher de soleil en prime, c'était vraiment pépite. Il me reste plus qu'à fignoler la préparation de ma fondue savoyarde au réchaud et à la frontale, pendue à plusieurs centaines de mètres au-dessus du lac. Et ensuite, let's go pour passer une de mes meilleures nuits en bivouac, et surtout le réveil le lendemain matin était juste incroyable. Et voilà, après cette petite frayeur du matin, il est temps pour moi de remballer tout le matos et on se rend vite compte que c'est pas aussi facile que sur la terre ferme. Même remettre ses chaussures, ça devient un geste technique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'était vraiment juste une expérience incroyable. Encore un immense merci à ma famille qui a pu m'offrir ce cadeau incroyable.
Moi, je vous laisse avec les magnifiques images de ce lever de soleil avec les montgolfières qui nous passent juste devant le nez pour le réveil. C'était vraiment juste pépite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous, likez la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.